Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, c'était le Kino, il s'agit de la découverte de Mother Russia Bleeds, ce qui veut dire la mère russe saigne. Ma mère, la mère Russie saigne, pas la mère russe, voyons. Voilà, là. J'espère que c'est pas... Si je vais baisser un petit peu, ça a l'air un peu fort. On est parti. Alors, on va regarder rapidement les options. On a du français, donc on va mettre du français. On va mettre la musique un poil moins forte. Un poil, j'ai pas dit une touffe, hein, juste un poil. Aide activée. Je sais pas, affichage. CRT, oh mon dieu. Standard, on va laisser un standard. Ok. Et... ok. On a histoire, Mother Russia Bleeds, arène. Ok. Donc apparemment il y a un mode multi PVP. Ça a l'air bien gore, bien sanglant, bien chouette. Niveau tutoriel. Bah ouais, allons-y. Sélectionne ton combattant. Je sais pas. Sergei, Ivan, Natasha, Boris. Ah Boris, il veut la barbe. Obligé. Joueur 1. Dosage maîtrise stable équilibre. Je sais pas de start. Boris est le taré de la bande, complètement perché, on ne sait jamais vraiment ce qu'il pense, imprévisible, hors de contrôle, il mérite sa place à l'asile. Ok. Donc c'est un jeu de... c'est un beat'em all. On n'en fait jamais, d'ailleurs, ici. Des beat'em all. Ah, ce que ça donne. Donc j'avance. C'est peut-être mieux que la croix, en fait. Okay. Salut mon gars, j'espère que t'es en forme, parce qu'aujourd'hui, ça a pas déconné. Tu connais la règle d'or, c'est à l'entraînement que le combat se gagne. Alors on va refaire les fondamentaux ce matin. Tous les branleux du coin ont accepté de jouer les sparring partners contre une bouteille de rouge. Mais fais quand même gaffe, ne reste jamais au sol. Débat-toi le plus vite possible, ne jamais rester en position de faiblesse. Après toi champion. Faut que je le tape lui. Ok. X. Y, ça marche. Je vais me battre contre les clodos, c'est ça? Je vais mettre un peu plus fort. Ça va la synchro Ok, je fais quoi après? Alors, je vais sauter comme ça. Ah, on peut rester appuyé. Ok. Et ça, c'est pour choper le mec, ok. Je reste appuyé. Merde. Mais merde. Oh, ok. Oh non. Non. Aïe. Ok. C'est original, ça me fait penser au... Ça me fait vraiment penser à Double Dragon, quoi. T'as un bondage, gamin. Je t'avais bien dit que bosser le gainage, ça paierait. Ah bon? Un tel mouvement avec le bon timing, personne ne pourra t'atteindre, c'est la défense ultime. Mais c'est aussi redoutable en attaque, on va bosser ça tout de suite si t'es d'accord. Ok, je suis d'accord. Ah, c'est ça. Eh ben, tu t'attendais pas à ça, Pomme. Il se duplique, le mec. Bon bah on est bien, pas la peine de t'épuiser non plus, un combat t'attend. Et n'oublie pas, sois créatif, varie tes enchaînements, explore toutes les possibilités. Plus tu feras plaisir au public, plus tu marqueras de points. Ok. Michael est le père spirituel des héros, il est bon vivant, aime sa communauté et se débrouille pour l'entretenir. Mais il manque d'assurance, est naïf et craque sous la pression lorsqu'on menace de s'en prendre à ses proches. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour ouvrir les yeux, Michael? Peuple crève la gueule ouverte et toi tu continues de diviser avec tes combats à la con. Il faut unir nos forces et s'attaquer au véritable ennemi de la nation. Tu me les brises avec tes théories complotistes, Vlad. Tes grands discours ne nourrissent pas la communauté alors que mes combats au moins rapportent un peu de fric. Qu'est-ce que t'espères au juste? Faire la révolution accompagné de deux ou trois manouches? Au moins, joue pas le jeu du pouvoir en place. Tu penses petit, tu sèmes le discord entre les communautés, mais tu crois que la Bradva va stopper sa course?
Ils rongeront ce pays jusqu'à la dernière miette. Toi, tes combats, ce camp, ils nous prendront tout. L'heure est à la révolution, Michael. Salut, c'est moi, et je suis Boris. 16 février 86, 17h30, campement. Ok, j'ai l'impression on va... Tac, 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 tac. Il n'y a pas... Oh, la vibration activée. Va-te. Il n'y a pas de V-Sync apparemment. Tant pis. Tiens, voilà mon gars. Écoute Vlad, va prêcher la bonne parole ailleurs si tu veux bien, il y en a qui bossent. Ta naïveté te coûtera cher, Michael. Le Brad va dévorer le territoire. On y passera aussi, j'en suis sois-en sûr. Maman a coupé qu'ils ont déjà eu vent de tes petits événements clandestins. Eh, je me casse. Je serai pas très moins de cette mascarade. La Vlad allait remonter. Vous êtes encore engueulé? Ouais, rien de grave. Bon, j'espère que t'es en forme, parce que je parie... J'ai parié toute notre oseille sur ce combat. Allez, le public attend depuis un moment. Offre-nous un beau spectacle, champion. C'est très brut des coffrages, ouais, c'est fait exprès, c'est... Je pense que c'est pour marquer les anciens jeux, enfin pour... Pour mimiquer les anciens jeux. De baston, du style... Genre Double Dragon, quoi. Aïe! Oh non! Je me tape dessus, quoi. Oh, j'ai un clodo de niveau 2 et un clodo avec des couteaux. Putain, la vache! La vache! Oh non, 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 aïe, aïe! Si c'est pas des. Ça, c'est du défouloir. Défouloir. Hein. Ok, je peux pas prendre les couteaux. Ils sont où les couteaux? Ok. On peut jouer à plusieurs, apparemment, aussi, j'imagine, logiquement. Ok, suivant. Suivant. T'as vu, je dis suivant même avant qu'ils soient tapés, quoi. Ils sont morts. Oh. Ça, c'est du grand air, champion. Crois-moi, t'as marqué les esprits. Oh merde, j'ai pas pu lire la fin, mais va chercher l'oseille. Hein? C'est moi ou quoi? Vas-y, c'est quoi ce délire, Michael? Coucou les clodos. Bon, désolé de vous l'annoncer, mais la petite fête est terminée ici. Hein? Wow, on se calme, l'ami. Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui fixe les règles ici. Justement, papy, toi, tu viens avec moi, faut qu'on cause. Fais ce qu'il te dit, Michael. Ouah, putain. Ah, j'ai absolument pas... Cible neutralisée. La possibilité de me battre, en fait. Comment c'est injuste. Quelques semaines plus tard. Passe par-dessus la rambarde pour le régler, lol. Personnage, Boris, le taré de la bande, j'ai déjà. Chapitre 1. L'enlèvement. Nox moi clé clé clé. Mais. Bah putain, qu'est-ce que. Ok. Il est où le couteau que j'avais dans la cinématique là?
Moi, apparemment, j'ai pas. Ah. Ah, mais c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que vous faites de vous? Qu'est-ce qui nous arrive? On est où là? Ah, vous êtes en pleine crise de manque, vous faut votre injection. Mon injection de quoi, putain? Mais qu'est-ce que vous nous avez fait? Ah, j'ai ni le temps ni l'autorisation de vous expliquer, mais je dois procéder à l'injection. Oh bah non, t'approches pas, je te tue. Je vais le faire moi-même. Hein? Ah! Aïe. Ok. Wow. Je me suis injecté l'androïde et ça me rend plus balèze. Apparemment. Je vais monter là-dessus. Vraiment pas. Aïe! Mais! Ok, faut pas que je reste en face. Mais bordel! Mais merde! Du soin, s'il vous plaît. Oh là là là! Ok. Et là je fais il se pique la tête quoi. Et je suis en train d'absorber le précieux liquide d'un cadavre apparemment. Ok. 3 doses, d'accord. C'est glauque hein. Bah alors, princesse, Prince Charmant n'est pas venu te faire un bisou? On va gentiment retourner faire dodo, sinon papa va taper très fort sur ta tête. tu permets que j'essaie un truc avant? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh! Ok, d'accord. Une petite sœur de Bioshock. Oh non, je... Ok. Bah qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? J'ai oublié la voix. J'ai rêvé. Ah ah! Tiens! Dégage. J'ai dit dégage. Ça met du temps à revenir. Dans Double Dragon, t'avais un truc qui faisait plink, plink, plink quand il fallait avancer en fait. Oh, mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce... Il y a un... Une opération sur un shark, un requin bizarre. Ah bah. LB, ouais, LB c'est ça. Ok. Eh salut les gars, stop vos expériences à la con là. Oh merde. Ah, je peux pas aller chercher mon truc. Merde. Non. Parce que je voulais faire. Mais non. Je suis con. Oh. Comment? Comment? Je veux choper le. Voilà, merci. Oh là là. Je me suis gouré. J'ai tout gâché.
merde. Tiens. Je me suis foiré quand même là. Bien, bien foiré. Entraide. Tes potes sont à moitié crevés et il te reste de la nécro. Soigne-les tout de suite avant d'avoir à les réanimer. Oh mon dieu. Oh bordel, ça pue la mort. Apparemment, tous les déchets qui sortent du labo de production sont balancés ici dans les égouts. Je vais pouvoir trouver un moyen de sortir quelque part. Qu'est-ce que c'est que ça? Des zombies? Aïe! Merde, putain. Comment je fais pour le taper, le cochon? Oh là là. Oh là là. Ah, ça va loin. Aïe. Il est trop sale ce jeu, je suis bien d'accord. Pourquoi il bouge encore le cochon quoi? Oh la vache. Merde. Lâchez-moi. Comment je fais pour me piquer là? Ça marche pas en fait. Oh là là. Ok. Ok. D'accord. Oh, y a du monde. Hein. Oh là là. Il y en a qui prennent. Il faut leur taper dessus 20 fois avant qu'ils crèvent, et d'autres. J'adore l'attention aux détails quand même. Avec les seringues par terre. Détritus et tout, c'est. Oui, c'est sale, hein. Oh, ok. Oh, un rat. Ici. Ah, ça veut dire qu'il peut, il peut m'agripper aussi, le rat, j'imagine. Ah, c'est ça. Dégage, dégage. Oh là là, oh là là. Putain, faut éviter les rats, quoi. Non. Oh la vache. Non. Ah. Putain, dégage! Toi aussi! Non! J'ai un rat au cul! Qu'est-ce que c'est que ce jeu, sérieux? Ok. Ah! Ah! Ok, j'avance. Ah, allié IA, tu n'as pas d'amis, je peux toujours jouer en coop avec des IA, et au moins, ces alliés ne taperont pas dans les chips. Pas mal. Bon, c'est... Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait, il est joli. ils ont pensé à pas mal de choses.
par rapport à, aux anciens jeux, aux anciens beat'em up, beat'em all, peu importe. Genre Double Dragon, quoi. Ou c'est quoi, Final Fight, l'autre truc? Bah, il est joli, ouais, il est bien fait, quoi. Enfin, c'est du pixel art, et c'est vrai que c'est super gore. Mais c'est quand même bien rendu pour du gore. D'accord. Voilà, là, ça sent le boss. Boss cochon. Oh putain. Boss cochon. Ah ! Oh la vache ! Aïe ! Ok, d'accord. Je vais me reprendre une dose, je pense. Je pense me reprendre une dose. Ouais, mais alors... Oh là là! Mais il est allé où sa barre de vie à l'autre là? Oh la vache! Mais je meurs là! Mais non, mais bon. Non, je vois ce que tu veux dire, mais bon, Berg, j'aime pas du tout. Bah je, voilà, donc c'est ce que j'allais dire. Tu veux briller en société? Essaye donc de jongler avec différentes armes. Bon, si tu bousilles le matos, tant pis pour toi. Ok. Je pense très honnêtement que on... on le continuera pas. On le continuera. Je le continuerai pas, même pas offline. Pourquoi? Parce que c'est pas spécialement mon trip de jeu. Ça a pu l'être quand j'étais gamin et j'ai foutu des thunes pas possibles dans dans Double Dragon. C'est clair. Enfin les thunes de mes parents plutôt. Mais le... Ah oh putain. Le bed bashing... Je sais pas, j'ai l'impression d'être... d'avoir juste à... Oh là là. Putain. Il veut pas tomber, hein. En plus, j'y arrive pas. Dommage que ce soit juste du piu-piu, ouais. Bah, je pense qu'il y a peut-être un peu de skill à avoir au bout d'un moment. Mais c'est pas l'impression que j'ai pour l'instant, quoi. Et il me semble que System Shock, par exemple, System Shock l'a fini. Il serait probablement. Il y aurait probablement beaucoup plus de. Voilà. Un avis différent dessus, je pense qu'il a vraiment bien aimé. Sinon il y a que la BO qui est bien. Bah c'est l'histoire est pas top, ouais, j'ai pas l'impression que l'histoire soit top, ouais. J'ai pas l'impression que l'histoire soit top aussi, ouais. Je fais ça. Non mais non! Putain, j'ai du mal avec les contrôles en plus, donc... On n'est pas... Non! Putain! C'est débile, c'est les gâchettes... Mais... Merde! Ah là là! Ah tiens, pour recharger, fallait garder les cochons en fait. Ah! Mais bordel! Mais bordel! Mais c'est bien fait, c'est bien fait! Je peux même pas. Euh...
Ah, il y a les cochons qui reviennent en fait. Pour. Ah, mais si, je peux même pas les choper. Oh là là! Mais bordel! On va pas y arriver. J'aimerais bien éviter le premier boss quand même, ça serait cool. Mais j'ai pas l'impression qu'on y arrivera. Apparemment, on n'aura pas juste une émote, mais une émote partir. Donc 5, 10, 25 pour 3 émotes au total. Ok. Attends, c'est débile ça. Tu veux dire que ceux qui payent 25 auront accès aux 3 émotes? C'est ça? Et seuls ceux qui payent 25 vont avoir accès à... J'ai l'impression de jouer à Hollow Knight avec le dash. Enfin, pas du tout, mais bon. Putain, mais il se fait pas stun, lui. Il veut pas. Je veux pas sucer le cochon. Je veux pas sucer le cochon. Pourquoi je ne peux pas sucer le cochon? Ah non, non, lâche-moi. C'est pas moi. Je te promets, c'est pas moi. Non mais... Ah! Aïe! Oh putain, il est mort. Oh là là, j'arrive dessus quoi. C'est pas facile en plus quoi. Se payer en 25 euros dans les 3 émotes, se payer en 10, 2, se payer en 5 ou prime Amazon, ou Amazon Prime 1, ok. When is subscription gifting launching? Hey, we're working hard to deliver this video as soon as we can. On pourra donner gratos un sub à qui on veut pour notre channel à un moment donné. Ah, c'est bien ça. Il est mis au cas avec plein de free sub. Ouais. Ça doit servir des coups de pied aérien, tu peux les contrer avec les chopes aériennes. Pas de pitié pour les lâches. Bon, dernière tentative parce que... Voilà quoi. Je vois que je devrais pouvoir y arriver, mais... Salut.
Ah, mais merde! Ça fait trop mal. Et moi, j'arrive pas à jouer à ce jeu, putain. Je suis pas en face. Sérieusement. Mais merde! Mais non! Mais bordel! Oh le cochon! Oh bordel! Ouais. Non! Ok, bon, c'est vraiment pas pour moi. Je dois plus avoir les réflexes d'avant. Je dois plus avoir l'endurance et la patience d'avant. Ouais, bim, 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 bim. Ouais, c'est que du. C'est du spam, quoi. Natacha, la petite sœur de la bande, elle est méprisante envers les ennemis, arrogante, elle aime humilier avant de tuer, assoiffée de sang. Elle prend un plaisir sadique à détruire sa tête de ça. Peut-être que c'est aussi le personnage que j'ai qui me va pas. Peut-être que c'est ça aussi, je sais pas. Je sais pas. Allez, dernière tentative. Il faut peut-être l'empêcher de se droguer. Voilà. Yeah. D'accord, d'accord. Ouais, mais là maintenant, j'ai passé mon temps à. Et merde, je suis mort. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Oh là là. Bah c'est pas nul, quoi. Mais c'est pas pour moi. Et j'ai quand même merci. C'est pas pour moi. Ouais, comme disait Renaud aussi, scénario, bah, on dirait que c'est pas top. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment. Mais voilà, c'est pas pour moi. Bref. En tout cas, si vous avez regardé cette vidéo sur YouTube, c'était Telkilo et c'était la découverte de Mother Russia Bleeds. Merci beaucoup, à la prochaine.